Au Real Madrid, Fabio Coentrão a eu des heures de gloire comme la Ligue des Champions 2014 remportée sous Carlo Ancelotti, mais aussi de sérieux moments de doute, après des blessures répétées et un statut de remplaçant alors que Marcelo ne cessait de prendre de l'importance dans le couloir gauche au fil des années. PSG, la presse espagnole envoie Neymar à Madrid et à Barcelone. Parti l'été dernier au Sporting Lisbonne, le défenseur portugais est revenu dans les colonnes de Marca sur ses années madrilènes, entre satisfaction des titres remportés et déception de ne pas avoir pu donner plus. Les premières et troisièmes années ont été très bonnes, j'ai été titulaire contre le Bayern et dans d'autres matchs difficiles. Nous avons gagné une Ligue des Champions, je sais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, de matchs médiocres et de mauvais moments dans lesquels je peux dire que je n'ai pas bien travaillé, mais j'ai fait de bonnes choses que les gens n'ont pas considérées. C'est pourquoi je me sentais comme le vilain petit canard. Je m'en fous de toute façon. Ce que j'aime, ce sont les bonnes années à Madrid et je leur suis très reconnaissant. Concernant son dernier entraîneur chez les Merengues, Zinedine Zidane, le latéral gauche passé par un Monaco en 2015 à 2016 n'est pas rancunier. Zizou a été un très bon entraîneur pour moi aussi et je ne peux que dire de bonnes choses à son sujet. Celui qui parle mal de Zidane ne sait pas ce qu'il dit parce que c'est un mec spectaculaire, mais les choses ne se sont pas bien passées pour moi à Madrid, j'ai dû repartir pour récupérer mon jeu et gagner en confiance. Cela a été la meilleure option.